Tu vois l'histoire du marabout là de Paul Pogba? Bah je pense que ça me touche aussi parce que vu le niveau que j'ai dans les jeux vidéo, les trois quarts du temps, je pense qu'il y a aussi un marabout. Obligé hein. Oh pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Il y a quelques nouveautés aujourd'hui, assez peu intéressantes à part une globalement. Il y a pas mal de ruptures de stock également, on va quand même vérifier tout ça. Donc nouveauté du jour, probablement le seul véhicule qui sera intéressant pour aujourd'hui, c'est la Honda Civic Type R EK 1997 à 51 800 crédits. C'est une voiture qu'il est impossible d'avoir autrement qu'en occasion, quoi qu'il arrive. Cette voiture a été disponible il y a une vingtaine de jours déjà. Mais voilà, si vous êtes passé à côté ou vous en avez besoin, il faut absolument pas hésiter, c'est vraiment pas très cher. La Mazda Enos Roadster NA 1989 n'est plus disponible, c'est une rupture de stock, tout comme la Nissan Silvia KS Dia Selection S13 1990. Nous passons à la Nissan Silvia QS S13 1988 à 29 600 crédits qui vient d'arriver en stock aujourd'hui. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 10. La BMW 3 litres CSL 1973 vient de passer en stock limité. C'est disponible à 203 800 crédits. Une voiture avec laquelle il est possible de faire un swap moteur avec le moteur de la BMW Z4. La BMW M3 Sport Evolution 1989 est en stock limité à 164 600 crédits. Elle était déjà en stock limité hier. Cette voiture, il est possible de la remporter dans le GT Café numéro 22. La DMC DeLorean S2 2004 vient d'arriver en stock à 450 400 crédits. Cette voiture, on peut l'acheter neuve pour 525 000 crédits. Il y a quand même une petite économie à faire. Ça peut peut-être être intéressant, mais c'est toujours plus intéressant de l'acheter neuve. Ensuite, on passe à la Ferrari 308 GTB 1975 qui n'est plus disponible, c'est une rupture de stock. Cette voiture, il est possible de la remporter dans le GT Café numéro 38. La Ford Mustang Mach-E 1971 à 36 100 crédits vient d'arriver en stock. Cette voiture, on la gagne dans le GT Café numéro 17. Ça peut être peut-être intéressant d'en acheter une pour faire un swap moteur avec. Donc, si vous en voulez une avec le moteur d'origine et une avec un moteur swappé. La Chevrolet Corvette ZR1 C6 2009 n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. La Lamborghini Countach 25e anniversaire 1988 vient de passer en stock limité à 692 400 crédits. C'est déjà en stock limité hier, bien sûr. Elle vient de passer, c'est faux. Elle était déjà en stock limité hier, c'est donc le dernier jour pour la prendre. Vous l'avez pas encore, hésitez absolument pas. L'Audi R8 4 litres de 2007 n'est plus disponible, mais cette voiture on peut l'acheter neuve sans aucun problème. La Mercedes-Benz SLR McLaren 2009 vient de passer en stock limité à 499 700 crédits. Cette voiture est disponible neuve pour 600 000 crédits. Il y a peut-être une petite économie à faire si jamais vraiment vous êtes un peu ric-rac sur les crédits. La Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex Shigeno version n'est plus disponible. Si vous êtes passé à côté, il faudra attendre un petit peu parce que cette voiture, il est impossible de l'avoir autrement. On va passer du côté des légendes. Il n'y a pas de nouveau véhicule, il y a quelques évolutions de stock quand même. La Ferrari 330 P4 1967 est en rupture de stock. Si vous êtes passé à côté, et je sais que c'est possible puisqu'elle valait quand même 9 millions de crédits, pour attendre un petit peu avant qu'elle revienne. La Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype 1967 est en stock limité 3 400 000 crédits. Pas hésiter à les dépenser si vous les avez et que vous avez besoin de cette voiture. Et enfin, elle vient de passer en stock limité aujourd'hui, c'est la Mercedes-Benz 300 SL Coupé 1954 à 1 400 000 crédits, avec un prix qui est indiqué à la hausse, ce qui fait que son prix va probablement augmenter la prochaine fois qu'elle arrivera en stock. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Allez, à plus les gens!